Amis, c'est le soir pour son simulation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Truck Simulator 2, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus. Nous sommes en solo sur la version 1.32, donc il y a pas mal de nouveautés, notamment on peut avoir des remorques personnalisées, enfin etc. Je pense que vous savez déjà. Donc sans plus tarder, nous allons faire une mission. Donc nous roulons pour l'entreprise HDF. Donc d'ailleurs je vous invite à la rejoindre, il faut avoir plus de 18 ans. Elle est très très bien, elle est très réaliste. Donc voilà, donc il faut avoir Truxbooks pour la rejoindre. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors sans plus tarder, tac, on prend une mission. Donc du coup... offre de traction, ça a été changé. Donc nous on va prendre, pour la prochaine vidéo je mettrai ma remorque personnalisée. Donc on va prendre un petit contrat externe, on va prendre, alors attendez, hop, une double remorque, voilà, 471 km, ça peut être pas mal. De quoi faire ça, hop. Continuer. On va y aller. Donc ça va être assez simple, je pense. Donc on est parti pour 480 km. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Donc j'espère que la vidéo sur Homestead 2 vous aura plu pour le tutoriel d'installation. Donc bah oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Euro Truck. Si vous vous rappelez la dernière vidéo, j'avais fait un live. Et alors déjà je mets ça. Et le live, voilà, j'avais l'ancien volant, donc ça fait très très longtemps. Là depuis j'ai un nouveau volant, donc voilà. Ça commence, j'ai déjà des dégâts. Ah, accident, désolé. Hop, allez. Donc là, les feux clignotent en orange, on peut passer. C'est bon, il n'y a personne, attention, la voiture qui arrive, ok. Elle va là, ok. Il n'y a personne d'autre. Ok, on peut y aller. Allez, go. Donc, je suis en boîte manuelle, hein, avec le levier de vitesse, bien évidemment. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, régulateur de vitesse. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, parce que là, je suis, en ce moment, je suis plus sur Homestead 2. Donc, voilà. Donc, ouais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué à ce jeu. Donc là en plus il pleut. Essayez de faire attention. Hop. Donc là on va rouler de nuit avec une double remorque. Donc normalement là je serai en multi, mais le problème c'est que comme du coup je suis en 1.32 sur la bêta, du coup on peut plus aller en multi. Donc voilà. Et là la bêta je trouve qu'elle dure plus longtemps que la 1.31. Ça fait pas mal de temps que la bêta est ouverte, donc ouais, ça commence à être long. Bon, en même temps, ça doit être une grosse mise à jour. Donc là, il va y avoir le DLC Addon Baltic, là. Ça comprend 3 pays, donc voilà. Hop, attendez. Tac. Donc là, ok, on va aller là. Désolé, mais là, j'ai mal à l'avance. Moi, je commence à muer, donc... j'ai la voix qui est un peu enrouée, si vous voulez. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Tout est bien réglé. Tout devrait aller. Hop. Donc là, je vais respecter les limitations. Comme on est dans une entreprise RP, je dois respecter les limitations. Donc il faut faire attention. Du coup, alors, c'est où? C'est là, ok. Hop, c'est ici. Ah, je confonds toutes les touches avec Homestead 2, là, je suis perdu. Mais bon, je vais m'y faire, vous inquiétez pas. Hop, on va prendre la remorque. La petite marche arrière, on va se mettre comme ça. Voilà, hop. Alors hop, on va passer comme ça. Faut
Bien se mettre en face. Hop. T. Ok, ça c'est bon, les fils sont bien mis. Faut que je prenne un screen pour envoyer à l'entreprise après. On va prendre ça. Hop. Nickel. Du coup, on peut remettre le petit rétro. Allez. Donc là, on est avec une double remorque là. Elle est très très grande celle-là. Ah ouais, très très grande. On va essayer de faire attention. Hop. Alors. Comment ça va se passer? Ah, j'ai calé. On va se mettre en première, ce sera peut-être mieux. Donc on va se mettre comme ça. Hop, je vais prendre un petit screen pour la vidéo cette fois-ci. Hop, on va prendre ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Hop. Voilà. Je rêve ou c'est... Ah non, non, c'est bon. J'ai cru que ça transperçait, mais c'est bon. Ok, alors là, on va se dépêcher. Hop. Normalement, là, ça passe. Ouais, c'est bon. Nickel. Allez, go. Là, le camion, il va avoir du mal à tirer, là. C'est comme... Je viens d'avoir une nouvelle sauvegarde. Oui, parce que aussi l'entreprise vous fournit des sauvegardes. Voilà. Au début, vous êtes stagiaire, puis après, vous passez en CDI. Je vous laisserai découvrir ça. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Pour ceux qui veulent la rejoindre. Donc, il faut avoir plus de 18 ans pour information. Sinon, vous ne rentrez pas. Allez. Ah, déjà le camion a du mal à atteindre les 50 km/h. Alors pour atteindre les... De toute façon on peut pas rouler à 90 avec ça, c'est 80. Ouais, 80 maximum. On fera attention. Lui, ouais, c'est bon, il va tourner là. Donc là, on est parti pour 484 km. Hop, on va se mettre à 70. S'il y arrive, bien sûr. De toute façon, je crois que la Suède, c'est limité à 80 sur les autoroutes. Donc, on ne pourra pas aller plus vite. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Hop, on va mettre le limite, le régulateur, pardon. Donc ouais, ces derniers temps, j'ai sorti pas mal de vidéos, hein, au moins deux par jour là. Donc deux vidéos, ouais, j'ai tout mis d'un coup. Donc du coup là, j'en ai plus trop, j'en ai plus du tout même en stock. Donc si cette semaine il n'y en a pas beaucoup qui sortent, c'est normal. Hop. Donc j'ai vu qu'on monte en abonnés, donc franchement ça me fait plaisir. Ça me donne envie de continuer YouTube, hein, franchement. À un moment donné, je montais plus et là, depuis que j'ai mis la vidéo sur Home6.2 sur la map Horizon 16, ça a monté les abonnés. Hein, j'en ai gagné pas mal. Donc je suis assez content. C'est cool. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Je tenais à vous remercier. Alors, hop. Oula, par contre là. Oui, aïe. Bah, c'est bon. Un peu vite là. Alors, hop, en repassant cinquième. Nickel. Alors, je suis pas habitué avec les touches là. Là, je viens de sortir d'Homme-ci-2, donc ça me fait bizarre de reprendre le levier de vitesse et tout. Donc, voilà. Allez, go. Juste. Je vais voir un truc. Oui, il était bien activé. Paramètres. Attendez, son numéro 2. Je vais le mettre à 81.
Hop. Ouais, c'est bon. Voilà, hop, nickel, hop, on y est reparti. Allez, c'est parti. Comme ça, quand je vais passer, si je dépasse ta limite, 80, ça va sonner, ça me préviendra. Sinon, j'ai oublié, donc. Là, elle a beaucoup de phares, là, je l'ai beaucoup personnalisé, mon camion, là. Beaucoup de gyrophares et tout, là. Franchement, je le trouve super beau. Ah. Voilà, attendez. Démarrage en côte. Bon, il a du mal, il a du mal. Aïe. Il y a beaucoup de mal. Du coup, la vidéo risque d'être assez longue, pour le coup. Donc là, je tourne ça samedi, normalement elle sortira dimanche. Le temps que je la monte, puis de toute façon j'ai d'autres vidéos à tourner, donc voilà. Donc je tiens aussi à préciser que, bon, bientôt il y aura du American Truck, parce que je n'en ai jamais fait sur ma chaîne, bon, il est sorti depuis longtemps, hein, mais ce sera nouveau sur la chaîne, donc il y aura du American Truck. Donc je vous conseille d'aller dans À propos, dans la chaîne. Vous avez tous les jeux qu'il y a actuellement sur ma chaîne et les jeux qui vont arriver, notamment Farming Simulator 2019. Et aussi, j'aime beaucoup les Dragon Ball Z, surtout le Xenoverse. Donc bon, je sais que ça n'a rien à voir avec la simulation, mais bon voilà. Donc je vous rappelle aussi, la chaîne, c'est pas que de la simulation. Je me suis donné ce nom-là, mais ce n'est pas que de la simulation, c'est d'autres jeux aussi. Voilà. Donc il y aura du Dragon Ball Xenoverse numéro 3. Donc je vous rappelle que le 3, il va sortir en 2019. Voilà. Donc je ferai un let's play dessus. Il y aura aussi du Train Sim World là qui va arriver sur la chaîne du Dragon Ball Xenoverse 2. Que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Planet Coaster, il y a déjà. Bah, Cattle & Crops aussi, ouais. Puis voilà, mais je vous conseille d'aller dans À propos, vous verrez, il y a tout marqué là-dedans. Alors, j'ai juste un doute, est-ce que j'ai bien mis passer par les autoroutes? Alors déjà, c'est dans jouabilité, bon coco. Le plus rapide, ouais. Ok, donc là, hop, on n'a pas besoin de faire le plein, c'est bon. Mais ça peut coûter pas mal, ça. On peut encore faire 2 300 km. Donc c'est cool. Donc dans l'entreprise HDF, faut aussi comment faut aussi dire, il faut, ouais, faire un minimum de 4 000 km par mois. Voilà, bon, ce qui est suffisant. Vous faites deux missions de 2 000 km et puis vous êtes tranquille. Tranquille, voilà. Ça c'est bon. Puis après le reste, ouais. Donc voilà. Donc franchement, il est très beau le Scania. Surtout avec le truc que j'ai mis là-bas, l'aigle, là, le tableau illuminé. Oula, pardon. Illuminé. C'est très très joli. Allez, 417 km, c'est lent. C'est limité à 50. On va aller à 50. Bon, le temps qu'ils atteignent, on aura déjà passé le panneau. On va se remettre à 70 du coup. C'est bon, il s'arrête de pleuvoir. Là, par contre, on va être obligé de freiner. Hop. On va se mettre sur la file de droite. Voilà, c'est bon. Donc là, si vous voulez savoir, je filme en 4K.
avec Shadowplay. Mais si vous voulez, quand je sais pas pourquoi, quand je l'upload, ça met en 1080p. Donc bon, voilà. Donc en fait, c'est de la 1080p 4K, un peu, si vous voulez. Donc là, je vais faire attention de ne pas dépasser les 80. Ouais, ça c'est bon. Hop, 80. Voilà. Alors pourquoi le son il marche plus? Il va falloir que je regarde ça aussi. Là, nous sommes à 60 FPS, c'est parfait. Moi, on consomme pas grand-chose, genre. Hop, on va sortir là. On va ralentir un peu. Même beaucoup. Hop. Aïe. Là, on est plutôt pas mal. Voilà, le camion a du mal. On va repasser en sixième. Alors. Non, 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 non. Là, il n'y a personne. Et là, il n'y a personne non plus. Ouais, on peut y aller. Attention que ça touche pas derrière. Ok, on est bon. Vérifions qu'on n'a pas de dégâts. Non, on est ok. Donc c'est aussi, ils ont rajouté la marchandise à l'intérieur. Donc il faut faire attention à ne pas avoir de dégâts sur la remorque et ce qu'il y a dans la remorque. Voilà. Donc ça c'est cool. Ça a été changé aussi, amélioré plutôt. Donc ils font pas mal de mises à jour. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. C'est cool, c'est cool. Franchement, c'est très joli là. Très très joli avec la mer. Je trouve ça très sympa. Bon, je vais pas m'arrêter pour prendre un screen, j'en ai déjà pris un. Ça ne sert à rien. Ah, donc là, là il est assez long. Ouais. Ça fait un long convoi. Alors je sais pas s'il faut mettre les gyrophares avec ça, je pense pas. Peut-être pas besoin. Non, je vais pas les mettre. Normalement, quand c'est long, faut mettre le gyrophare. Ça, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Si c'est que les grosses cargaisons, faut mettre le gyrophare. Ou quand on a une remorque longue aussi, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, peut-être Tom va nous rejoindre en cours là, de jeu. Je sais pas, il m'a dit qu'il viendrait peut-être. Juste pour parler, hein, parce que comme du coup, moi, j'ai la version 1.32 pilule 1.31, du coup on peut pas être en multijoueur, donc voilà, je tenais à vous prévenir, c'est normal s'il vient pendant la vidéo. S'il vient pas, tant pis. Allez, 329 km. Donc cette fois je ferai attention à pas mettre de musique, parce que l'autre fois j'avais mis de la musique pour la première vidéo sur DLC Vive la France et je m'étais fait couper la vidéo, enfin couper le son de la vidéo plutôt. On va essayer de faire attention à ça. Voilà. Ah, je trouve ça sympa, les petites roues, c'est très joli. Très très joli, franchement, c'est très bien. Oh, il y a la police. Ouais, c'est bon, j'ai attaché la ceinture. Tout va bien. Salut collègue. Hop. Salut. C'est ça pour faire la signe de phare, ok. Alors ce qu'il pourrait essayer de faire aussi au truck, c'est mettre le système de climatisation. Alors attendez les amis, je reviens.
Re les amis. Oui, il faut que j'arrive à démarrer. Camion a beaucoup de mal. Alors. Voilà, c'est ce que je redoutais. Ah ouais, non, ça va pas passer. Comment je vais faire là? On va faire une petite marche arrière. Ah, c'est n'importe quoi ce que je fais. Ah ouais, mais là, je suis embêté là. Très embêté même. Parce que je viens faire ça, mais hey, le problème. Non, c'est bon. Ok, bon. On a de la chance. Allez, go. On est reparti. C'était très juste, mais on a réussi. Alors toi, voilà, merci. À me laisser passer. Allez, 293 km. Hop, bon, allez, on n'a pas fait beaucoup d'autoroute. Hein. Attention. Hop. Voilà, par contre, on va repasser en. Ça va aller ou pas? Ah, il tient, il tient, il tient. On va rester en septième. Hop, on est bon. Tac. Allez, go. Donc là, il faut faire gaffe, faut pas passer 80. Pas dépasser 80 plutôt. Voilà. Bon, bah là, ça va, il fait beau, il pleut plus, il fait jour, nickel. Donc, on arrivera à 11h20. Heure locale. Alors, je vous le dis quand. Vous traversez tous les pays. Quand vous faites 2000 km à 80 km/h, c'est long, c'est très long. C'est très très long. C'est très 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 long. Ah, désolé, mais là j'ai mal à la gorge là. Oh, si je suis un petit peu fatigué hier, je me suis couché à 1h du matin. Donc voilà. Excusez-moi de ma fatigue. Donc pareil, pour l'instant, Angle Rush, je l'ai mis en pause parce que j'ai plus trop l'envie d'y jouer, donc voilà. Voilà, Euro Truck, je m'oblige un peu à jouer parce que c'est pas parce que j'ai envie de faire une vidéo sur Euro Truck ou quoi, non. C'est parce que je suis obligé de faire 4000 km par mois, sinon je me fais virer. Donc du coup, je suis obligé de rouler. Donc je me suis dit, bah tiens, comme je suis obligé de rouler, je vais pas rouler sans tourner une vidéo. Au moins, ça fera une vidéo sur Euro Truck. Et puis voilà. Puis en plus, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur le jeu, bah, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà.
Du coup, qu'est-ce qu'ils font les deux voitures rouges là? Ils avancent, ils avancent pas. Ils savent pas trop. En tout cas, je trouve qu'elle est super sympa cette route, très jolie. Elle est très très bien. Là, on va dépasser parce que je sens que ça va aussi quoi que dans ce moment. Faudra que je pense, ouais, bientôt aller me coucher dans 4 heures, mais j'arrive dans 3 heures. Donc je pense que ça ira. Il n'y aura pas besoin de faire une petite sieste. Donc maintenant j'essaye de faire en sorte que toutes les vidéos ne dépassent pas les 45 minutes, grand max. Parce qu'après je trouve que ça fait trop long, c'est trop chiant à regarder, donc maximum 45 minutes. Voilà. Les plus courtes, ça pourrait être 10 minutes, 15 minutes, mais voilà. Sinon le max, grand max, c'est 45 minutes, voire 50, allez. Mais pas une heure. Non, une heure, c'est trop. L'autre fois, bon, sur F1 2018, c'est normal parce que c'était le début, je te montrais le jeu, j'ai créé mon personnage, tout ça, donc ça a duré un peu plus d'une heure, c'est normal, mais après, non, je fais toujours aux alentours de 42 minutes. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de respecter ce format-là. Donc voilà. Puis je pense que ce sera mieux pour vous aussi. Voilà. Franchement, si on pourrait être à 60 FPS comme ça dans Amphi 2, ça serait top. Top, top, top. Mais bon, moteur graphique, c'est pas le même, donc. Mais si on pouvait avoir le même moteur graphique qu'Euro Truck, ça serait sympa. Pour info, nous sommes en Scania R, hein, voilà. Allez, 176 km, on arrive bientôt. Donc, je parle pas beaucoup, mais là je suis un petit peu fatigué, donc bon. Donc voilà. Là, je vais essayer de faire au moins grand maximum là comme je vais avoir beaucoup de boulot et avoir les premiers examens donc, bon, je viens de passer en première voilà donc il va y avoir les CCF les examens donc grand max il y aura peut-être une ou deux vidéos par semaine mais pas plus voilà pendant les vacances il y a beaucoup de vidéos mais là non il n'y en aura pas beaucoup alors attention hop. Ouais, donc une vidéo ou deux par semaine. Pas pour l'instant, mais quand la période de stage va arriver, ça va arriver très vite d'ailleurs. Donc voilà. Alors lui, il doit rouler à 70, lui, parce que pour que je le double comme ça, il peut rouler à 80. Hein. Donc, ouais, bon, non, on va laisser. Du coup, il va nous redoubler. Oh, d'accord. Il nous redouble. Très bien. Là, il roule à la même vitesse que nous. Sauf qu'à un moment donné, je vais devoir me rabattre. Si j'ai une sortie, là, je suis mal. Bon, tant pis, je ralentirai. Ah, c'est sympa les avions au fond, là. Ah, c'est vraiment bien. Vraiment tip top. Donc là forcément il va nous doubler. Parce que comme en montée, voilà. Notre camion est un peu moins puissant. Puis lui il a qu'une remorque. Donc il va nous doubler. On va pouvoir passer derrière lui. Il n'y a personne derrière. S'il y a quelqu'un.
Allez, il passe. Hop, c'est bon. Nickel. Allez, 112 km, on va bientôt arriver. Ouais, donc franchement pour Eurotruck, ce que je vous conseille comme volant, bah, c'est le G29. Franchement, il est génial, je m'en lasse pas de ce volant. Là, j'ai déjà mis au moins 300, 400, 500 heures au moins déjà. Donc franchement, il est super sympa. Il est facile à prendre en main. Il est assez, il est pas trop gros ni trop petit, il est très très bien. Donc franchement, c'est très bien, tip top. Allez, 86 km, on va arriver là. Comme d'ailleurs, on va devoir sortir dans pas très longtemps. S'il pouvait avancer devant, ce serait bien. Bon là, je respecte pas les distances de sécurité, c'est pas bien. Allez, 65. À mon avis, alors désolé, il y a les messages qui s'affichent en haut, j'ai pas pu les enlever. Comme je suis sur le Discord là. Enfin, je suis sur le Discord, j'ai l'application activée en tout cas. Donc, voilà. Alors, du coup, ouais, dans 2 heures, de toute façon, non, on sera déjà arrivé. Donc c'est bon. Je me réveille un peu parce qu'après je pars sur F1 2018 là, donc je vais profiter pour tourner 2 vidéos au moins sur le jeu. On a un ciel bleu magnifique là. Très très beau. Bah, si, bah, je vais vous raconter un truc qui m'est. Bah, si vous voulez, au début sur Eurotruck, je roulais, puis à un moment, j'ai atteint les 40 heures du jeu, et quand mon ami Tom a parlé de l'entreprise HDF, il m'a parlé de cette entreprise-là. Eh ben, j'ai beaucoup beaucoup roulé pendant une période, je crois une fois. J'ai fait 25 000 km en un mois. Donc j'ai beaucoup roulé, mais là non, je roule un peu moins parce que à force je me suis lassé. Au début, j'avais 40 heures de jeu avant que l'HDF arrive. Et ben là maintenant, depuis que l'HDF arrive, ben là j'ai 205 heures de jeu. Donc, ce qui est pour moi beaucoup parce que j'en connais d'autres qui ont 60, non, 1000 heures, 3000 heures de jeu sur Eurotruck. Alors, j'en suis loin, mais bon. Voilà. Oh, je voulais raconter ça, c'est tout. Ah, et 19 km, à mon avis, bah, ça doit être tout de suite bientôt, là, parce que on est toujours pas dans la ville. Ouais. Ok. J'ai pas eu d'événement routier aléatoire, c'est normal ça ou pas? Est-ce que c'est normal? Bah c'est pourtant les fonds. Oula, 3 minutes. Ah mince, j'ai pas vu le temps. 3 minutes? 2 minutes? Bon, on va être en retard.
Ah, j'avais pas vu le temps. Ça alors. Bah, du coup, ouais, je vais être en retard. Pas beaucoup, mais c'est tout de même du retard. Hein. Bon, si quelqu'un pouvait me laisser passer. Hop, merci. Aïe. Par contre, on va essayer de pas trop traîner, hein. Plus que 2 minutes. Oh, allez, accélère, camion, là. Accélère pas du tout. Hop. Naturellement, c'est rouge. 1 minute, bah c'est mort. Dommage, on y était presque. Puis ce camion qui accélère pas. C'est bon, j'ai touché personne. Non, c'est bon. Bon, je vais m'arrêter parce que voilà. Ah bah dis donc, on a eu juste à temps le truc, hein. Excellent. Ok. Offre de mission actuelle de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour directement avoir une autre mission. Ok. Mince. Je viens de faire une grosse gaffe. Ouais. Ok. J'ai complètement zappé de prendre une photo pour l'entreprise. Elle m'a tombé. Hop. Voilà. Hop. Ok. Bon bah écoutez les amis, voilà, sur ce on va se laisser. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop ennuyé sur Euro Truck Simulator 2. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'est 100% simulation. Allez, salut tout le monde.